Culture FM, l'esprit des festivals. Dour Festival. Enfin, moi, je me rappelle bien les premiers festivals qu'on faisait à l'époque. Tu croises des gens que, enfin, des musiciens que t'as adoré quand t'avais 14 ans et tu te trouves tout à coup à face d'eux. Et c'est spécial, c'est un truc bizarre. Et voilà, c'est aussi ça un peu la magie quand tu joues en festival. C'est voilà, tu croises un peu les gens que voilà, ou t'as, enfin, genre Cypress Hill ou The Hives. C'est pour moi, quand j'avais 18 ans, c'était un truc énorme. Quoi. Donc voilà, ça fait aussi partie du plaisir du festival. Et alors, est-ce que tu profites du fait d'être en backstage artiste, évidemment, et en plus derrière la même scène qu'eux? Est-ce que tu vas aller voir les mecs de Cypress Hill en disant hey, salut? Mais évidemment, à chaque fois, je me dis je vais le faire, mais je le fais jamais, évidemment. Jamais. C'est quoi? T'as peur de casser le mythe Mais parfois, ça m'est arrivé quand j'ai vraiment osé le faire et je me suis rendu compte que les mecs étaient quand même plus cons que je pensais. Ah, ça, c'est horrible. Ah ouais. Mais c'est normal. À mon avis, 90% des gens qui viennent me voir après les concerts, ils sont plus cons que... C'est normal. Enfin, ça va de mieux en mieux, le self-esteem. Ah oui, là. Daniel, il est en pleine forme aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est normal. Tu te fais, quand t'es jeune, tu vois un musicien, tu dis putain, il doit être super cool. Ça pue jamais quand il fait caca et tout. Et en fait, à un moment, tu te rends compte que c'est juste, voilà, juste un bête mec. Quoi. Ouais, voilà. Bah, nous, on se dit ça souvent avec des invités en studio, par exemple. Pas avec vous, on vous rassure. Mais c'est vrai qu'on se dit parfois, mais qu'est-ce qu'il est con, lui. Oui, mais c'est clair. C'est quand même un réflexe humain de dire, mais en fait, il est con. Mais toi, tu t'es fait jeter par le mec de Kraftwerk un jour, quoi. Ah ouais. En fait, c'est pas vrai. Ouais, et tu l'as parlé en allemand, en plus, je parie. Bah oui, j'ai fait tout ce comme il fallait. Mais à mon avis, c'était le mauvais moment. C'est le matin après le concert, j'ai croisé pour le petit déjeuner à l'hôtel et je me suis dit, allez, je vais y aller. Et hop, ça n'a juste pas marché, quoi. Ça, c'est dur. Ouais. Du coup, t'écoutes encore Kraftwerk ou c'est fini? Non, c'est fini. J'ai cramé tous mes disques. C'est fini. Par contre, j'ai rencontré pendant mes vacances. J'étais en vacances dans un hôtel un peu familial parce que j'ai les gosses maintenant et donc du coup je me sentais déjà un peu ridicule d'y aller et je vais au buffet où il y a les petites glaces pour les gosses et je croise à côté de moi il y a le chanteur des Hot Chips qui est et ça m'a vraiment rassuré. C'est Alexis Taylor. Alexis Taylor, ouais. Le petit avec ses lunettes là. Ouais. Et voilà, j'ai halluciné, j'ai tout de suite parlé avec lui en gros après deux jours, on s'est trouvé à boire des caipirinhas au bord de la piscine, regarder nos filles nager. Ça, c'est cool, par contre, quand ça arrive comme ça. C'est drôle. Pure FM, l'esprit des festivals. Dour Festival. Pure.